un bon séjour, bonne chance. Entre la Belgique et le Cameroun, c'est plus facile. c'est pas nouveau, hein. C'est ce que j'ai expliqué à l'ambassadeur, aux deux conseillers, c'est que quand en 75, quand j'étais jeune officier, il y avait déjà des officiers camerounais qui venaient sous les cours en même temps que nous. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, il faut que ça continue. Quoi. Mon contact continue et perdure. Vous êtes un flic, et chez nous, quand vous ne pouvez pas partir comme ça, nous avons prévu un peu des produits locaux, produits camerounais. Donc vous êtes chez nous. Donc on va vous amener à la voiture. Donc et je vous remercie encore d'avoir pris ces quelques minutes. Comme je vous ai dit, les Africains, c'est ça. On ne va pas venir, on s'en va, non. Non, comme moi je vous ai dit, c'est pour moi la bonne mentalité, c'est. Il y a pas mal du stress comme ça. Voilà, c'est un bras comme ça. Voilà. Je m'amusais quand il te racontait mes misères alors. Nous on essaye. Avec le peu de moyens que vous allez avancer, ben, tu comprends, si tout va venir, ça sera mieux. Non, c'est ça, j'ai mis à. J'ai trop de secteur que j'ai dit que tu vas essayer. Si on sécurise les tests, il y a beaucoup de choses qui concernent le colonel. Mais puisque déjà on peut avoir 5 minutes, le colonel, si on doit faire ce mouvement à Douala, on doit le faire. Non, mais il y a peut-être un petit peu de temps. Oui, il s'appelait. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Vous le savez, alors j'ai été reçu par le roi ce midi afin de présenter mes lettres de créance pour le chef d'État sur ça pour Guillaume Normand, ambassadeur du Cameroun et du Royaume de Belgique. Donc maintenant je suis parmi vous et depuis ce midi je peux exercer pleinement ces fonctions d'ambassadeur du Cameroun pour la Belgique. Cette rencontre, comme je dirais, vraiment conviviale, simple, parce que je ne pouvais pas faire cette formalité entre parenthèses sans vous associer. Mais comme je vous l'ai dit, désormais je suis l'ambassadeur du Cameroun, le représentant du chef d'État ici et du gouvernement. Donc désormais je suis parmi vous, donc je dis, je compte travailler avec vous. Dans les jours à venir, je vais mettre au point un programme pour essayer de rencontrer les uns et les autres. Je sais qu'on m'a dit qu'il y a des gens qui viennent de Mons, de Liège et tout. Je vous en remercie. Charleroi, voilà. Donc, je dis, on va trouver les voies et moyens pour se rencontrer. Et je vous dirais déjà que je suis quelqu'un de très ouvert. Je reçois tout le monde. En recevant tout le monde, j'écoute. J'espère que je serai aussi écouté. Donc, nous allons bavarder. Nous tous, nous sommes ici. Si on bavarde, c'est pour le Cameroun. Et je suis là pour servir le Cameroun. Et je suis peut-être l'ambassadeur officiel, mais comme vous le savez, vous tous à l'étranger, vous êtes les ambassadeurs du Cameroun. On nous juge à travers vos comportements. Si vous êtes bien en Belgique, si vous êtes, vous comportez normalement en Belgique, on dira que le Cameroun, c'est des gens sérieux. Et je sais que nous sommes des gens sérieux. Donc, entre gens sérieux, nous pouvons nous entendre. Donc, comme je dis, je suis ouvert, je reçois tout le monde, autant que mon emploi du temps le permettait, mais je dis, je reçois tout le monde. Et comme je dis, aujourd'hui, c'est une rencontre à peu près officielle, parce qu'officiellement, j'ai pris mes fonctions ici.
Mais je vous dis, on va essayer de nous organiser pour pouvoir vous rencontrer les uns et les autres dans vos villes respectives. Et comme je dis, je compte sur vous pour les idées, les suggestions. Je dis tout ça pour que nous représentons dignement le Cameroun ici. Comme je le répète encore, et ça c'est un leitmotiv, nous travaillons tous pour le Cameroun. Nous pouvons avoir des divergences sur certains points de vue, c'est normal. Au Cameroun, ça existe. Pourquoi pas en Belgique? Mais je vous dis, nous sommes tous des Camerounais, des dignes Camerounais. Donc je dis, je suis ouvert, nous discutons en gens bien élevés. Si nous avions pour objectif le développement de notre pays, je suis preneur. Et quand je vous dis ça, c'est, je ne peux pas le faire de route, c'est ça. Donc je suis venu pour qu'on s'unisse, on travaille pour le Cameroun uniquement. Donc comme je dis, c'est symbolique, nous vivons pour mon arrivée, mais on aura le temps de mieux se rencontrer, mieux se connaître et mieux travailler. Je vous remercie. Thank you.
avec